Bonjour, je suis Tom Migo de Tom Migo Photographie. Bienvenue en Écosse et bienvenue sur les collines des Pentlands. On est juste à l'extérieur d'Édimbourg. Édimbourg est derrière les collines que vous voyez. On a le magnifique sommet qui sont éclairés. Alors, on voit aussi ce voile là dans l'air. Alors, la raison est simple. On a eu de la chance les derniers jours. Ici, on est le 1er octobre. Les derniers jours ont été très ensoleillés et relativement chauds. Il fait 17 degrés. Donc, c'est vraiment chaud pour l'époque ici. Et donc, toute l'humidité du sol s'évapore et crée ce voile. Alors, si vous n'aimez pas ce voile dans votre photo de paysage, eh bien vous pouvez toujours utiliser la nouvelle fonctionnalité de Lightroom 6. Et j'en ai parlé il y a quelques mois de ça. J'ai fait une vidéo, vous l'avez juste là qui s'inscrit, ou le fameux produit pour dévoiler vos photos. Personnellement, des fois, j'aime bien ce voile. Ça apporte un je ne sais quoi, comme ils disent ici, dans la photo de paysage. En ce qui concerne la photo de paysage, vous savez, depuis 2012 que je fais des stages photo ici à travers l'Écosse, j'ai toujours eu un groupe. Il y a toujours une personne dans un groupe qui me demande à un moment donné, Tom, est-ce qu'il faut que je prenne mon trépied? Vous imaginez ma réponse? Bien sûr que tu dois prendre ton trépied. Ton trépied n'a rien à faire dans la voiture, n'a rien à faire à la maison. Et si tu es sérieux en photographie de paysage, il te faut un trépied. Alors, si vous ne savez pas comment choisir un trépied, eh bien, vous pouvez toujours voir la vidéo que j'ai faite l'année dernière qui vous offre, c'est une sorte de petit guide sur comment choisir un trépied, les différentes choses que l'on trouve dans un trépied et autres. Et vous avez le lien qui s'affiche également maintenant. Alors, ce n'est pas une publicité pour une certaine marque. C'est tous ces trépieds, j'en suis propriétaire, je les ai achetés avec mon argent bien gagné. Voilà, vous pouvez y aller. Je n'ai absolument rien à vendre à ce sujet-là. Une autre chose aussi que j'entends dans les stages photos que je fais, c'est « Tom, comment je dois cadrer ce paysage? Est-ce que je dois aller portrait ou paysage ?» Alors personnellement, je vous avouerai, je déteste ces expressions de portrait et paysage pour définir une orientation. Tout simplement parce que ça impliquerait qu'un portrait est forcément capturé verticalement et du coup, un paysage est forcément pris à l'horizontale. Or, c'est complètement absurde. Je vous invite à voir mon propre travail sur le tommigophotographie.com dans les galeries de portraits, les galeries de paysages. Et vous verrez, j'ai pris de très très beaux portraits capturés à l'horizontale et de très très beaux paysages capturés en vertical. Cela dit, ça apporte une question. Est-ce qu'il y a un moyen facile pour savoir quelle orientation on doit choisir pour capturer une photo de paysage? Eh bien, malheureusement, pas vraiment. Ça va dépendre de votre sujet, ça va dépendre des lignes, des courbes que vous essayez de capturer, de la lumière, de la direction de la lumière et puis de l'atmosphère que vous essayez de transposer dans votre photo pour votre spectateur. Néanmoins, il y a quand même une petite règle que j'ai et je vous la conseille, c'est que quelle que soit l'orientation que vous choisissez, eh bien, avant de partir, faites en sorte de prendre une photo dans une autre orientation. On ne sait jamais, vous pourriez passer à côté d'une énorme opportunité, d'une photo extraordinaire, rien qu'en changeant l'orientation. Alors, pour changer l'orientation, c'est vrai que par défaut, votre appareil va être positionné à l'horizontale, tout simplement parce que c'est dû à l'équipement, comment il est paramétré. Vous avez votre trépied, quel que soit le trépied d'ailleurs, et la tête de trépied. Par défaut, eh bien, on attache son appareil comme ça, de façon horizontale. Et après, ben, vous pouvez passer à la verticale. Alors ici, c'est une tête à boule, donc en fait, il suffit de desserrer et puis de faire basculer votre appareil comme ça. Alors, quand vous faites ça, en fait, il y a quand même un certain risque et des problèmes. Alors, le risque que vous avez, c'est en ce qui concerne la distribution du poids. Vous voyez, la raison pour laquelle votre équipement tient solidement sur un trépied, c'est tout simplement parce qu'il est assis sur le centre de gravité de votre trépied, c'est-à-dire sur l'axe central. Donc tout le poids arrive au centre ici et est distribué également sur les pieds de votre trépied. À partir du moment où vous changez l'orientation de votre appareil, comme ça, en le basculant sur le côté, eh bien, le poids de votre objectif et appareil et autres instruments que vous avez dessus, eh bien, n'est plus au centre de votre trépied et donc, du coup, peut faire basculer le total. Alors, je vous avouerai, je ne formule pas une hypothèse là. Je vous dis simplement la réalité. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai fait un stage photo de 4 jours sur la côte nord de l'Écosse avec 3 messieurs de Mulhouse. Alors, Patrick, Robert et Philippe, si vous regardez cette vidéo, je vous fais un petit coucou.
beaucoup. J'ai vraiment apprécié le temps que j'ai passé avec vous et j'espère que vous de même. Voilà, et donc Patrick, eh bien, on travaillait ensemble sur une photo, une belle photo de bateau, et à un moment donné, donc il prend son équipement. Bon d'accord, c'était un Nikon. Il a acheté un Nikon. C'est comme ça. Il a son Nikon et il décide de passer de l'horizontale à la verticale. Donc il bascule. Et au moment où il bascule, eh bien, le tout tombe et il aurait pu casser son objectif tilt shift qu'il venait d'acheter il n'y a pas longtemps. Heureusement, ça n'a pas été le cas, tout simplement parce qu'il a été sauvé par un filtre neutre gradué qu'il venait d'acheter, qu'il avait fait même livrer chez moi pour récupérer pendant le stage. Alors, le filtre complètement rayé, mais au moins il a sauvegardé le reste. Donc pensez-y. Et la petite astuce, si vous basculez votre appareil comme ça sur le côté, eh bien assurez-vous de le faire dans l'alignement des pieds de votre trépied. Alors là par exemple j'ai l'alignement ici, mais je vais le faire de ce côté là. Du coup c'est impossible d'avoir le tout qui bascule. Alors ça c'était le risque et puis la petite astuce. Mais il y a des problèmes. Le problème numéro 1, c'est quand même l'angle de vue. L'angle de vue va changer. Vous voyez, si je fais une photo là, comme ça, bon, le trépied sur lequel est la GoPro en train de filmer maintenant, bon, et au centre, c'est mon sujet, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, là, vous voyez la photo, elle est en infrarouge, c'est normal parce que c'est mon 60D qui est converti en infrarouge. Mais j'en parlerai dans quelques mois. Je suis en train de préparer tout ça. Donc là, je suis à l'horizontale. Voilà. Maintenant, je passe à la verticale, je fais rien d'autre, j'appuie et vous regardez, vous voyez les deux photos, eh bien, tout a changé. En basculant mon appareil, non seulement maintenant, mon sujet, donc le trépied, n'est plus au centre. Ensuite, mon objectif maintenant était descendu. Donc, du coup, j'ai pas du tout le même angle de vue. Donc, vraiment, c'est pas aussi simple que ça. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Tom, c'est pas difficile. Il suffit simplement de bouger le trépied et puis peut-être utiliser la colonne centrale pour régler la hauteur. Oui, seulement il y a des fois où on ne peut pas le faire. Je vous donne l'exemple. Vous vous rappelez la vidéo que j'ai faite sur comment chasser l'angle, la photo parfaite? Eh bien, il y avait une photo que j'ai faite d'une chute d'eau. Eh bien, cette chute d'eau, je n'aurais pas pu la capturer si j'avais bougé mon appareil, tout simple, ou bouger mon trépied. Pourquoi? Parce qu'entre cette chute d'eau et moi, il y avait des comme une sorte de canyon, des murs de rochers, et donc du coup, si j'avais bougé, ne serait-ce qu'un tout petit peu, eh bien, je perdais l'angle que je souhaitais avoir. Donc, là, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est, disons, vous réglez, vous êtes content de l'horizontale et tout, vous avez réglé le niveau de l'horizon, voilà, c'est bien aligné, ne me faites pas une... Des fois, je vois des photos où la mer, elle a tendance à basculer de droite à gauche. Donc, vous faites le niveau. Moi, personnellement, j'utilise sur mes appareils, j'ai de la chance, j'ai l'outil de niveau digital. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours utiliser. Il y a des petits cubes qui existent où vous pouvez les mettre là sur la haute choue, sur le dessus là. Et puis, ça vous permet de voir, s'assurer que votre appareil est de niveau, ce qui permet de garder les lignes droites verticales, ou de garder les lignes verticales droites, et aussi de s'assurer de la perspective, par exemple pour les montagnes, etc. Donc, vous réglez le niveau, l'horizontale est bon, et tout, vous passez à la verticale, et là, vous avez tout à refaire. J'admets, ça peut dépendre de la tête de trépied que vous avez, mais dans la majorité des cas, vous allez devoir le refaire. Donc, c'est un problème. Il y a quelques mois de ça, je voulais trouver une solution. Alors, je vais peut-être retirer mes lunettes. Je vais garder les lunettes, je trouvais que ça faisait cool. Vous voyez, d'ailleurs, ça fait un peu CSI Miami, vous savez, quand il est en face du soleil et qu'il retire, comme ça. Enfin, je sais pas, je diverse. Non, je portais les lunettes parce que j'ai le soleil couchant et puis là, je m'aperçois qu'il est un peu tard, j'en ai peut-être plus besoin. Alors, qu'est-ce que je disais? Il y a quelques mois de ça, je cherchais une solution pratique à ça pour aller plus rapide, pour changer mes orientations. Et j'ai trouvé. La solution, c'est de prendre une plaque en forme L. Alors, je vous la montre, la plaque en forme L. Ça ressemble à ça. Voilà, elle est sur mon 5D Mark III. Et vous voyez, j'ai donc... C'est une plaque en forme de L qui a tout simplement une plaque de détachement ici, rapide, détachement rapide, et également ici pour quand on est en vertical. Alors, je vais vous en parler de cette plaque. Il s'agit que c'est la plaque Manfrotto. Alors, je vous clarifie les choses. Cet épisode n'est pas sponsorisé par Manfrotto. Ils ne m'ont pas payé. S'ils veulent le faire, ils peuvent le faire, mais non. Donc, j'ai acheté cette plaque avec mon argent et je peux dire ce que je veux. Donc, je vais vous donner les avantages et les inconvénients. La référence, eh bien, c'est la plaque L bracket Q2. Il y a aussi une autre référence, mais bon, c'est MS050M4-Q2. Vous avez les détails sur mon blog, comme d'habitude.
Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vais vous donner les avantages de cette plaque. Déjà, pourquoi j'ai choisi Manfrotto? Alors, vous savez, il y a quelques années de ça, il fallait que je fasse un choix concernant le type de plaque de détachement rapide pour mes appareils photo, pour qu'ils travaillent avec mes trépieds. J'avais le choix entre deux solutions. Soit une solution propriétaire, telle que Manfrotto et d'autres marques, ou soit une solution plus standard, type Arca Suisse. À l'époque, je n'ai pas aimé le type de fermoir de Arca Suisse. Alors, si vous ne connaissez pas, pareil, vous avez les photos dans l'article du blog, et puis vous en avez une là qui apparaît. J'étais pas satisfait. Du coup, j'ai fait le choix de partir avec Manfrotto, que je ne regrette pas, j'aime bien leur système. Et je ne dénigre pas du tout la qualité des différents modèles Arca Suisse. Et donc, j'avais fait ce choix d'utiliser Manfrotto pour la plaque de détachement rapide. Et donc, il me fallait une plaque L qui soit compatible avec ce système de détachement rapide. Et donc, j'aurais pu partir sur une plaque de base, générique, et puis trouver des adaptateurs. Mais ça aurait fait un système plus gros et pas forcément pratique. Donc, du coup, j'ai recherché Manfrotto. Il se trouve qu'ils en ont deux ou trois. Alors, il y a la Q2, celle-là, ça a à voir avec le type de plaque, la longueur, la largeur de la plaque. Vous avez la Q2, vous avez la Q4 et la Q5, je crois. Mais vous avez tout ça pareil dans mon blog. Celle-là, c'est pas gratuit, hein. C'est 85 livres, ce qui fait à peu près 90-95 euros, mais c'est en magnésium, c'est du solide. Et pour pouvoir l'attacher, bon là il se trouve que j'ai mon battery pack, mais vous n'en avez pas besoin. Pour l'attacher, en fait, il faut simplement une clé Allen. Alors, ils ont été intelligents à Manfrotto, ils ont créé un petit compartiment pour glisser la clé Allen. Donc, où vous soyez, eh bien, vous l'avez toujours avec vous, et donc vous serrez comme ceci. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je reviens ici, je vais retirer le Canon 60D. Voilà. Et alors, par défaut, tout à l'heure, je vous ai parlé du risque et des différents problèmes. Le risque, je vous ai parlé de la distribution du poids. Eh bien, regardez, quand je suis à l'horizontale, normal, il est assis à l'horizontale, au centre. Si je passe en verticale, eh bien, je suis en verticale, il se retrouve encore au centre de mon trépied sans le moindre problème. Donc là, c'est encore stable. Problème réglé. Donc le risque, il est réglé. Le problème que je vous ai évoqué également, c'est l'angle de vue. Alors, l'avantage sur ce modèle-là, c'est qu'il vous permet d'avoir la même distance entre la plaque du dessous, donc la plaque, on va l'appeler horizontale, et votre objectif, et la plaque dite verticale et votre objectif. Ce qui fait que quelle que soit l'orientation de votre appareil, votre objectif sera toujours au même niveau. Alors pour faire ça, eh bien, il y a un boulon en fait qui est ici. Alors ça, c'est le boulon qui est long, mais ils vous fournissent aussi un petit boulon. Voilà, la version petite. La raison pour laquelle j'ai un gros boulon, c'est tout simplement parce que j'ai le battery grip, donc la distance qui sépare ma plaque d'en bas de mon objectif, elle est plus importante, et donc du coup, il faut une distance plus importante sur le côté. Alors pour régler tout ça, ben c'est pareil, hein, il suffit simplement d'utiliser la clé Allen. Une autre petite astuce, alors je vais quand même vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, je vais prendre la photo, je ne sais pas si elle va être correctement exposée, c'est pas grave. Sûrement cramé, ouais, bon, elle est cramée, mais c'est pas grave. Voilà, hop, je passe à la verticale, je prends la même photo et vous voyez, mon sujet reste au même endroit. Ensuite, un autre petit avantage, c'est une petite tige de sécurité que l'on a au centre, ici, devant. Et c'est au cas où le petit boulon, là, il viendrait à se dévisser et que sous le poids de votre objectif et de votre appareil, eh bien, l'appareil aurait tendance à basculer un petit peu. Mais là, ça va le retenir. Donc, c'est quand même un avantage. L'autre avantage, c'est que comme je suis avec un battery grip, eh bien, du coup, il y a une certaine distance, vous voyez, entre l'appareil et puis la plaque, le segment vertical, ici, ce qui me fait une sorte de poignée. Et j'aime bien me balader en portant ma poignée comme ça avec moi, c'est bien pratique. Alors ça, c'est pour les avantages, mais voyons les inconvénients, parce qu'il y en a. L'inconvénient principal, c'est quand vous utilisez, là j'ai un battery grip, j'ai de la chance, j'ai de l'espace sur le côté, donc je peux accéder le compartiment où on peut brancher le câble pour votre obturateur ou bien des câbles USB, câbles HDMI, micro et autres. Donc j'y ai accès. Si je n'avais pas le battery grip, ça veut dire que le segment vertical que j'ai là, eh bien, il serait collé à mon appareil et donc je ne pourrais plus
accéder à ce compartiment-là. Alors, vous pouvez me dire, oui, on pourrait le tourner et le mettre de l'autre côté. Alors, si on le met de l'autre côté, moi, ça ne pourrait pas marcher parce que, à cause de mon battery grip, je ne pourrais plus accéder aux boutons que j'ai sur les côtés. Et en plus de ça, je ne pourrais pas non plus accéder à la carte mémoire. Donc, quel compartiment vous ouvrez le plus souvent? La carte mémoire ou les autres compartiments? C'est un choix à faire. Si d'ailleurs vous partiez sur ce choix-là de tourner la plaque de l'autre côté, eh bien la fameuse tige de sécurité que vous avez là, eh bien vous pouvez la changer et la placer de l'autre côté et ça fonctionnerait tout pareil. Alors ça c'est vraiment l'inconvénient. Je pense pas qu'il y en ait d'autres. Bon, c'est un petit peu lourd, mais c'est bien pratique. Je crois que c'est à peu près tout. Je ne sais pas si j'ai oublié. Je suis tellement inspiré à cause du manque de lumière. De toute façon, vous savez la solution. Il y a toujours un article sur mon blog qui accompagne cette vidéo. Le lien est dans la description. Allez, je suis gentil, je vous le glisse aussi ici. Vous cliquez dessus, vous allez voir, j'ai toutes les photos, tous les détails, toutes les specs de cette plaque-là. Et puis, vous pouvez me laisser un commentaire, me dire quel système vous avez, si vous trouvez ça intéressant. Est-ce que vous utilisez une plaque L comme ça aussi ou pas, quelle marque, etc. Allez-y, déchaînez-vous dans les commentaires sous YouTube ou directement sur le blog. Et puis, comme d'habitude, je réponds. Là, dans quelques secondes, vous allez pouvoir voir la liste des sponsors. Alors, je voudrais remercier tous les sponsors depuis que j'ai créé la page Tipeee. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore cette page, eh bien, vous allez le voir, il y a un lien qui va s'afficher. Vous pouvez aller dessus. Ça aide à contribuer à cette chaîne, aux coûts liés à l'essence et puis le matériel. Je vais faire pas mal de revues matérielles. Voilà, ça aide à entretenir tout ça. Ça m'a permis d'acheter une GoPro aussi, ou d'amortir le coût de la GoPro pour améliorer la qualité de mes vidéos. Et puis voilà, donc tout don est accepté à partir de 1 €. Et puis voilà, donc merci à tous ceux qui sponsorisent ces épisodes sur votre chaîne. Et puis en attendant la prochaine fois, eh bien c'est Tom Higo qui vous dit, si vous aimez ce que vous voyez, eh bien capturez-le, faites-moi de beaux paysages et peut-être utilisez-vous la plaque L. Si vous ne l'utilisez pas, c'est pas grave, mais au moins pensez à faire du paysage à la verticale. Ciao.